Hands wrapped, knuckles tape black. Pick my gloves up off the mat. Fighting's all I ever had. Wasn't born with tons of gifts. Had to work hard as a kid. Know that. <laughs> Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est sur le tour du granitier. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo parce que c'est une épreuve par étape. Il y a trois courses en une vidéo. On a une épreuve le dimanche avec 108 km au total avec 77 km en ligne, le dimanche matin un contre la montre de 7 km et la dernière étape le dimanche après-midi avec 102 103 km en tout et 73 km en ligne avec un circuit final donc voilà un très gros week-end de course, j'ai hâte de vous remontrer ça. Ça a aussi pris du temps parce qu'il s'est passé plein de choses. Donc, comme je l'ai dit, on est en Open 2-3 et tous les meilleurs clubs euh, des environs, c'est-à-dire Bretagne, Normandie, il y avait Loire-Atlantique et aussi Mayenne. Tous les plus gros clubs du coin se sont réunis sur cette course euh, en Open 2. Donc, très très gros niveau euh, sur ce week-end de course. Réparti en 38 équipes de 5 coureurs, donc ça fait presque 200 coureurs euh, sur ces routes du Mont Saint-Michel. Donc voilà, ça va frotter, ça va rouler très très vite. Ça va être un week-end usant, 220 km à peu près à parcourir à des allures folles. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti! Ça y est, les 200 cinglés, les 200 furieux sont lancés dans ce week-end à 220 km en deux jours. Ça frotte énormément, on est sur des routes étroites. C'est très, très nerveux en ce début de course. Voilà, tout le monde veut remonter, tout le monde veut se replacer pour ne pas prendre les cassures à l'arrière de ce peloton. Donc, on est très, très concentré. La course va être neutralisée jusqu'en haut du premier grimpeur, kilomètre 4,6. Donc voilà, c'est très nerveux, ça passe par les bas côtés. Et là, il va m'arriver une tuile, je tombe. Je tombe les gars. <laughs> il n'y a même pas 4 km dans la course. Dans le début du week-end. Et je tombe. Là, je remets mon dérailleur. Mon dérailleur, il est en mode chute. Donc je suis obligé de le repasser en mode normal pour qu'il puisse repasser les vitesses. Parce que là, il ne passe plus les vitesses. Donc je, passe, je prends un peu de temps pour faire ça. Pendant ce temps, le peloton, il s'en va. <laughs> sans nous. Euh, et je m'en rends pas compte tout de suite. Mais une grosse tuile. Le disque avant est voilé et je vais pas pouvoir continuer comme ça très très longtemps et le problème c'est que j'ai pas de roue de rechange donc voilà j'espère que vous aurez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker partager et puis bon, on se dit à la prochaine allez salut <laughs> franchement dans ma tête c'était ça je me suis dit vas-y je vais finir en fait euh, bah, assistant tout le reste de la course je suis dégoûté on a fait deux heures et demie de course deux heures et demie de route pardon pour venir sur la course et même pas 4 km dans la course, on n'a même pas rentré dans la course, on est dans le fictif les gars, j'ai pas de roue de rechange, comment je vais faire Il faut que je tienne, putain, je savais pas, dans ma tête, tout se mélange, c'est vraiment la galère. Et en fait, je reviens sur le peloton, mais je vous dis, c'est infernal, hein. le, le disque avant qui, qui, qui touche, c'est juste une horreur, je suis à bloc alors que je suis à 30 km heure, donc là c'est vraiment très dur, j'essaye de revenir autant que je peux sur le peloton parce que là il, il roule pas très très fort donc euh, je reviens le plus proche possible du peloton et j'appelle ma voiture seulement après, à l'arrière du peloton, appeler, et quand la voiture est juste derrière le peloton, bah là tu t'arrêtes, la voiture s'arrête et vous changez euh, la roue. Donc voilà, là je m'arrête. Et là, euh, comment il me dit, c'est bon, j'ai une roue de rechange. Putain, j'ai la roue de rechange, les gars J'ai une roue de rechange La course va pas se finir là. Donc, on va changer euh, la roue. Et là, surtout, mon directeur sportif me dit Calme-toi, t'inquiète. Ils vont arrêter en haut du grimpeur. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer dans le peloton. Tout va bien se passer. On est dans le fictif. Je pense que c'est même une règle au niveau de la FFC. Si jamais il y a une chute dans le fictif, on s'arrête on attend tout le monde, que tout le monde revienne, etc. Et là, je vais repartir. Mais mes problèmes ne sont pas finis. Le disque est un peu plus large que celui que j'avais. Et du coup, ça frotte toujours. Et là, je me dis, oh là là, si je dois faire 110 bornes avec ça, je suis vraiment, vraiment mal. Je suis mal, donc je vais me réarrêter. On va re-régler, c'est un peu mieux. Mais je sens que déjà, dès que je suis en danseuse, ça frotte et ça me freine. Et du coup, je suis, da... je suis dégoûté. Je me dis, mais non, j'ai une roue de rechange. En fait, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est le dé démarrage d'une course le plus cauchemardesque de toute ma vie, frérot. De toute ma vie, putain. Mais je vais repartir et vous allez voir, ça va aller mieux pendant l'étape. Donc voilà, en tout cas, merci à Maxime pour la roue avant, parce que sans lui, bah, je n'aurais pas pu finir le week-end, j'aurais fini dans la voiture, assistant. C'est bien aussi de participer euh, à aider l'équipe, mais je préférais être sur le vélo, et je pense que j'avais beaucoup à faire sur le vélo pour aider l'équipe et faire le meilleur résultat possible. Donc voilà, let's go pour l'étape vraiment cette fois. Et vous allez voir, ça ne va pas être de tout repos, puisque déjà... Je pars très mal placé, je pars en 200ème position. Là, là, on peut pas faire pire. Je suis à l'arrière de ce peloton. Et là, la course est lancée. Il y a plus de fictifs, il n'y a plus rien. Les chevaux sont lâchés. Et là, ça va partir à une vitesse, mais un truc de ouf. Genre un départ de, cyclo de cyclo-cross. J'ai jamais fait de cyclo-cross. Mais ça doit être comme ça. <laughs> C'est parti à une allure et je suis très mal placé. On est, on est dans des petites routes, il y a des relances, on va arriver dans des, des petits villages et je vais me prendre toutes les cassures. Donc en fait là, au début c'était un cauchemar niveau euh, mécanique, euh, niveau chute. Maintenant ça va être un cauchemar niveau placement. Il euh, faut remonter mais ça roule tellement à bloc déjà. Que bah, je fais ce que je peux, je, me, je remonte de groupe en groupe, je bouge des trous. Enfin, c'est la galère. Là, on est dans une relance. Je suis à l'arrière du peloton. Je dois être 200 mètres derrière le mec qui est en tête de course. Je ne la vois pas là. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la voir. Je ne sais pas si je la verrai un jour. Je ne sais pas si je vais tenir comme ça longtemps. Mais c'est parti, à une allure. Là, en plus, j'ai encore ma roue avant qui frotte. Mais je sens qu'au fur et à mesure des kilomètres, quand je, je freine. Eh bien, les pistons euh, du disque, enfin du freinage disque, euh, commencent à se rééquilibrer. En fait, plus tu, tu pompes euh, les pistons sur le disque, plus ils se recentrent et moins euh, mon disque touche euh, sur euh, bah, les, les patins de, du disque, les plaquettes plutôt, désolé. Là, regardez, il y a déjà des trous devant moi. On n'a même pas fait 10 km que c'est déjà le chaos total. Il euh, y a des, des trous à boucher. Regardez, je suis à 60 km/h. J'ai un, un trou à boucher. Je suis à bloc. <laughs> Putain, c'est le départ, le vraiment le plus cauchemardesque de, de toute ma, ma, ma carrière de, de coureur amateur. Et là, regardez, il y a un espèce d'haricot et on fait le mauvais choix. On va à droite au lieu d'aller à gauche. Du coup, on se fait encore doubler par une dizaine de coureurs. <laughs> Putain. que des mauvais choix, que des mauvaises situations. Mauvais endroit, mauvais moment, il n'y a rien qui va. On est kilomètre 12 km, et là on va arriver dans les premiers taquets. Là en plus le, le, le circuit est difficile. Non seulement on est dans des petites routes, non seulement il y a beaucoup de relances, donc il faut vraiment envoyer des watts. Et il euh, y a des bons taquets, ça fait que monter/descendre. Et euh, là on arrive dans un petit taquet, j'arrive dans un groupe là euh, avec ce coureur devant, mais ils vont se coucher. On a fait 12 km et il y a déjà des mecs qui pètent comme ça et là j'ai un méga trou à reboucher et du coup je fais le jump tout de suite parce que il faut que je sois dans un groupe pour pouvoir rentrer ou au moins finir la course avec quelqu'un pour rentrer jusqu'à l'arrivée parce que sinon ça va être très 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 long et je risque de même finir hors délai. Donc là je reviens le plus vite possible dans ce groupe pour pouvoir collaborer et euh, essayer de rentrer sur le peloton si jamais il y a une accal accalmie euh, devant. Là, il y a des mecs sur la gauche qui ont crevé. Enfin, c'est le chaos, mais j'ai l'impression, pas que pour moi, il y a quand même beaucoup de monde dans le même cas que moi qui sont en train de galérer. À peine 20 km. Et on est euh, dans un petit groupe. Là, on va rattraper un, un autre groupe avec notre groupe. Et on a le peloton. Euh, à portée de fusil, qui est vraiment pas loin, ils sont à, à 30 secondes même pas. On les, on les voit sur certaines portions euh, où il y a des, des, des longues routes euh, assez longues où tu vois assez loin et euh, on, on galère quand même pour revenir parce qu'ils roulent très 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 vite. Et nous on a du mal à nous organiser, surtout que ça fait déjà euh, 20 km qu'on est en test PMA donc ça commence à être compliqué. Euh, mais voilà, on, on essaye de remonter de groupe en groupe, on récupère je ne sais combien de coureurs, c'est un truc de fou. Hein. Et quelques kilomètres plus, large, plus loin, on va être témoin de quelque chose qu'on ne veut pas voir euh, sur les courses de vélo, c'est-à-dire une grosse chute euh, qui a impliqué beaucoup de coureurs. Apparemment, il y a un paysan qui est passé avec euh, son maïs ou je ne sais pas quoi. Il l'a a déposé sur la route sans faire espèce, on s'est tombé. Et là, il y a grosse, grosse chute, pas mal de coureurs impliqués. Il y a eu pas mal de dégâts, on va pas se mentir. Euh, Ce n'est pas des choses qu'on aime voir euh, dans le vélo. Malheureusement, c'est arrivé. C'est comme ça, c'est la course aussi, ça fait partie de, de ce sport. Mais voilà, là on arrive et regardez, les gens nous disent de, nous a, de, de ralentir. Et là regardez, déjà on voit sur le, le sol, il y, y a pas mal de, de, de grains. Et sur la droite, tout le monde a fini dans le fossé à droite. Là il y a un coureur à gauche, mais la plupart ont fini dans le fossé à droite. Il y a quand même beaucoup de coureurs impliqués et la chute a eu lieu à l'avant du peloton. Donc voilà, beaucoup de coureurs impliqués. Et ils ont chuté. Regardez, on est à 50 km/h. Ils ont chuté. Là, parce qu'en plus, on a ralenti. Donc ils ont chuté à 60 km/h environ. Donc la course va être neutralisée pendant une heure et demie. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que vous ne pouvez pas euh, avoir une course de vélo s'il n'y a pas les ambulances, s'il n'y a pas le médecin à l'arrière à suivre la course. C'est reparti une heure et demie euh, à passer dans la voiture au chaud, tranquille. Je voulais, même si je repartais dernier de ce peloton, c'est pas grave, je voulais être au chaud pendant 7 h et demie pour pas attraper froid, parce qu'il y a aussi la journée du lendemain à, à faire, donc euh, il faut euh, se préserver au maximum. Donc je suis resté dans la voiture pendant une heure et demie au chaud. En plus je pouvais entendre les, les commentaires de la directrice de course à la radio, donc c'était impeccable, je savais tout le temps ce qui se passait. Et là on repart bien froid physiquement, c'est très dur de repartir. Et puis bah, aussi mentalement, après euh, avoir arrêté la course deux fois déjà à cause de chutes, euh, dont une où j'ai été pris dedans. Euh, vu comment ça a frotté depuis le début de la course et tout. T'as pas vraiment envie de repartir, en tout cas dans les mêmes conditions. Euh, C'était compliqué un peu mentalement. Surtout euh, bah voilà, j'ai plus 20 ans. Je <laughs> suis trop vieux pour ces conneries-là maintenant. Euh, c'est vrai que c'est difficile de débrancher le cerveau quand t'es devenu papa. Et en plus, on a su assez rapidement aussi les blessures, à peu près, on va dire une estimation des blessures, euh, bah, des gars qui étaient tombés. Il y a eu une épaule cassée, il y a un mec qui a eu un trauma crânien parce que euh, il n'arrêtait pas de vomir sur le bord de la route. Il y en a un autre, euh, les dents cassées. Donc c'est quand même des traumas assez lourds et euh, ça te fait quand même réfléchir. Et bah, une heure et demie, tu as le temps de cogiter. Heureusement que bah, tu n'es pas tout seul et que tu peux parler, tu essayes de, de penser à autre chose, d'avoir des, des sujets un peu plus légers, mais c'est vrai que... Bah ça planait quand même au-dessus de nos têtes, mais bon, il faut quand même repartir. On est des guerriers, euh, les chutes ça fait partie du vélo malheureusement, mais ça rend aussi ce sport épique. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait des chutes, mais je dis que le vélo c'est comme ça, c'est dangereux, et bah on y va quand même, parce que c'est notre passion, et c'est ça qui est encore plus beau, c'est que malgré les risques, on y va, parce qu'on aime ça, parce que c'est notre vie. Et je peux vous dire que tous les mecs qui étaient au départ de cette course... Bah c'est des guerriers, franchement chapeau à tous euh, que du, du premier au dernier, on est tous des, des guerriers d'avoir euh, bah, surmonté cette course. Et euh, maintenant on est reparti. J'aurais bien une solution sinon pour ait de chute, mais bon, ça va pas plaire à tout le monde. C'est euh, on se met tous dans des gymnases, tous sur Zwift, Et bah là je peux vous dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais bon, est-ce que notre sport serait aussi beau euh, J'en suis pas sûr, donc je pense que tout le monde accepte le risque. Et euh, je pense qu'il faut travailler aussi sur euh, éviter de, les sur entre guillemets, c'est-à-dire le comportement des coureurs, il ne faut pas faire n'importe quoi. Genre quand tu arrives pour la 40e place, c'est pas la peine de, de frotter comme un malade et aller mettre tout le monde par terre. Il y a, il y a, il y a des choses où il faut travailler, je pense, sur soi-même et, et c'est chacun qui doit, doit faire un travail. Et puis après, il y a la signalisation euh, des, des courses, les parcours, etc. Les arrivées avec les barrières et tout. Je pense qu'il y, y, y a du travail encore à faire. On, est, on peut toujours s'améliorer. Mais voilà, on ne pourra pas arriver au, au risque zéro de, de toute manière. Enfin bref, la course est repartie. C'est une deuxième course qui commence. On est parti pour une soixantaine de kilomètres. Du coup, vu qu'on en a fait que 30 et qu'on n'a que 93 km à parcourir, on devait en avoir 108 initialement. Mais ils ont retiré deux tours euh, sur le circuit final. Donc autant dire que ça va partir. Plein, 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 plein gaz. Et comme vous avez vu, euh, comme je suis resté dans la voiture pendant la 1h30, je suis reparti en dernière position du peloton. Il n'y avait personne derrière moi. Donc maintenant, l'objectif, c'est de remonter le plus vite possible pour éviter de prendre des cassures comme au début de l'épreuve. Et euh, bah, je vais plutôt bien me débrouiller parce qu'en l'espace de, de 5 km à peine, j'ai réussi à remonter tout à l'avant euh, du peloton. Et je vais même pouvoir attaquer. Voilà, on est sur des routes encore... Euh, euh, de, de nos chers paysans, nos, nos chers paysans bretons. Et là, euh, je remonte sur la droite avec un mouvement de course. Et là, il y a le coureur euh, Mayennais euh, juste devant moi qui va attaquer. Et j'y vais tout de suite. Comme ça, ça me permet de voir la tête de course et de, bah, de sortir de ce peloton pour la première fois. Et, euh, et puis de me replacer aussi. Parce que pour moi, ça n'allait pas aller au bout de toute façon. C'est échappé. On venait... De reprendre la deuxième course, qui pour moi en fait c'était une toute nouvelle course. Tout le monde est encore frais, tout le monde a encore les capacités de se porter vers l'avant, tout le monde a la capacité de rouler vite. Et souvent sur les courses en ligne, ça se fait un peu à l'usure. Et là pour l'instant, les... tout le monde était trop frais. Donc voilà, ça se fait souvent à l'usure. C'est vrai que sur les courses en ligne, euh, voilà, il y a les grimpeurs, etc. Donc euh, ça laisse pas partir aussi facilement. Tout le monde est vraiment motivé. C'est un peu comme les courses de championnat. Ça part jamais dès le début de la course. C'est très compliqué de, bah, de faire des, des échappées dès le début parce que tout le monde est motivé. Ça roule très vite. Et là, c'est le cas. Ça roule beaucoup trop vite. On est à 54 km/h. Voilà, ça roule beaucoup trop, trop vite. Là, c'est mort. Pour sortir, il faut débourser une énergie folle. Et en plus, tu ne prends pas beaucoup d'avance. Donc le calcul, il est complètement faux. C'est vraiment, euh, vraiment pas la bonne stratégie à engager. Mais voilà, maintenant que je suis devant... J'engage les discussions. <laughs> et je me... oh, on se refait reprendre par le peloton. Euh, on se fait contrer plutôt par les coureurs euh, qui sont à l'avant de ce peloton. Et moi, je n'arrête pas mon effort. Souvent, on a tendance à faire ça. Quand tu te fais reprendre par le peloton, tu coupes ton effort, tu retournes au milieu du peloton. Mais là, moi ce que je veux... C'est me replacer en tête de peloton. C'était ça mon objectif initial, de me replacer en tête de peloton. C'était vraiment de mettre à l'avant et rester dans les 15-20 premiers tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, c'est ce que je fais. Je ne couvre pas vraiment mon effort, comme ça, ça me permet de rester dans les 15 premières positions de ce peloton. Il y a beaucoup de mouvements euh, dans cette course à ce moment-là de la course. Ça fait que attaquer, contre-attaquer, etc. Moi, j'essaye de prendre les coups en utilisant le moins d'énergie possible pour ne pas me faire piéger. J'avais peur qu'un groupe se détache pendant la course en ligne éventuellement, euh, mais je j'en étais pas sûr, donc je voulais juste suivre les coups, comme ça ça me permettait de rester placé dans le peloton. Et comme ça roule assez fort, des fois ça se mêle en file indienne et je voulais pas me retrouver dans la situation auquel j'étais au début de la course, c'est-à-dire pris dans des cassures et qui fait que tu dois faire des efforts inutiles. Donc euh, vaut mieux être à l'avant à essayer de prendre les échappées plutôt qu'à l'arrière à boucher des cassures. Et c'est ce que je fais là tout de suite. Je suis une attaque, là j'en suis une deuxième. Et on va revenir sur un petit groupe qui s'était détaché. Voilà, c'est exactement ça que je veux éviter. Des petits groupes qui se détachent sur cette partie en ligne. Mais on est beaucoup à avoir la même idée. Et le peloton, tout de suite, est réagit derrière. Et d'ailleurs, les coureurs juste devant, là, ils se sont relevés parce qu'ils voient que ça ne sert à rien. Les coureurs derrière euh, ne veulent pas laisser partir. On arrive dans un point clé de ce circuit en ligne. C'est l'une des côtes qui fait le plus peur euh, au peloton de tout le week-end. C'était vraiment une côte très très difficile. Et dans 2 km, on y est. D'ailleurs, j'avais mis un petit sticker sur, mon, euh, sur ma potence de tous les grimpeurs, de tous les points chauds et de la ligne d'arrivée, de savoir combien on avait de kilomètres, etc. Ça te permet d'avoir un bon repère pendant la course. Donc là, je savais qu'il fallait que je sois très bien placé, et quand je vois qu'il y a des coureurs qui attaquent comme ça, j'y vais tout de suite pour suivre les mouvements de course, pour être le plus proche de la tête du peloton, parce que cette côte là, elle va faire mal, et tu n'as pas envie d'être deux centièmes du peloton quand tu vas arriver dedans, donc voilà je suis bien en tête, bien placé, on arrive dans ce grimpeur, tout le monde frotte un peu, avant d'y arriver on est dans la descente, ça roule très vite, ça faisait un peu peur, tu te dis il faut pas que le mec devant moi, il se grâle, euh, et, euh, tu serres les fesses un petit peu, surtout avec toutes les chutes qu'il y a eu aujourd'hui. On voudrait pas en avoir une autre. Et donc là, on passe à un petit passage, un pont. Et là, on va tourner à gauche. On arrive dedans. Et moi, j'avais pas mis la plaque. Je ne savais pas, moi, l'innocent. <laughs> l'innocent que j'étais. Regardez, on a un pif-paf, on se croirait dans les Alpes, les gars. Et là, regardez. Là, on arrive même à voir la pente sur la caméra. Alors que d'habitude, souvent, les, les côtes, on n'arrive pas à voir le, le dénivelé. Parce que... Bah, le dénivelé, il est que de 5-6%. Alors regardez, on est à 19%, 20% là. C'est juste incroyable. Les watts, ils ne dé... enfin, ils, ils redescendent jamais en fait. On est en sprint pendant toute la côte, il y a une centaine de mètres. Et moi qui voulais faire les grimpeurs en début de course, euh, bah, on en est loin. <laughs> on en est loin là. Je suis à Lagoniga. Et derrière, il y a un mec, il a cassé sa chaîne. Du coup, il a dû poser un pied par terre, et le reste du peloton derrière a dû poser pied à terre, parce que en fait, on arrivait tellement pas vite là-dedans. Quand t'as un mec qui pose un pied par terre, c'est impossible de repartir comme ça. Donc en fait, tu repars à pied, quoi. Donc c'était vraiment très difficile. Et moi sur le vélo, je mets plus de 400 watts, je suis qu'à 11 km/h, la grosse rage. Et du coup, j'essaye un peu de tamponner la fin de ce grimpeur en me disant OK, ne te mets pas trop 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 dans le rouge, bascule dans le peloton, de toute façon le peloton il est tellement énorme que tu auras toujours des mecs à suivre donc je tamponne un peu la fin de ce grimpeur pour pas me foutre trop dans le rouge et là, il y a Jason Jegat qui me dépasse le gars de Podio comme Janzé, vraiment un très très bon coureur. Il a commencé en Access, je crois, cette année. Il a gagné plusieurs fois déjà. C'est un gros gros client sur ce tour du granité. Et quand je me dis qu'il me dépasse juste là, je me dis, ça va, je suis pas trop mal placé. Et là, tu te dis, bon bah c'est bon, le grimpeur est passé, je vais pouvoir me reposer. Que nenni que Nenni, mon gars. On va repartir pour 5 km de folie. En fait, ça, c'était juste l'entrée. Maintenant, il y a le plat et il y a le dessert qui arrive. Et je peux vous dire, ça va faire. Très 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 mal, tout le monde est en file indienne, tout le monde est prêt de péter. Il y a souvent les mecs derrière, là on est dans la descente, ça va, tu respires, mais tu n'arrives pas à récupérer. Tu viens de faire un, un, un test PMA juste avant, tu as besoin au moins de 10 minutes pour récupérer. Ça n'arrivera pas, les gars, jamais ça va arriver. Donc là on a, on a la descente, on vient bah, de faire une petite descente, une petite récup de 30 secondes, <laughs> voilà, qui n'est pas du tout suffisante. Et là, on va enchaîner dans les routes de campagne avec des pif-paf. Là, les mecs manquent de se grâler, euh, finir leur course dans le fossé. Et là, il y a une grosse, grosse relance. Ça y est, on est reparti dans des intensités à plus de 600, 700 watts. Et ça n'arrête pas. Regardez les watts. Je vous jure, c'est juste un truc de fou. Là, regardez le corps sur la droite. Il craque complètement, gars. C'est juste une agonie et je me dis mais attends mais ça va s'arrêter quand c'est là où tu vois le niveau de la course c'est que en temps normal ça se serait arrêté regardez à droite il y a un coureur il a complètement explosé à gauche il y en a un autre c'est l'hécatombe dans une course normale ça se serait arrêté il euh, y, y avait déjà longtemps tu vois mais là ça continue encore il y a des coureurs qui pètent de tous les côtés et c'est les coureurs de l'anester je les ai vus ces salauds <laughs> ils sont en tête de course ils veulent faire tout péter et quand tu te retournes que tu vois de la souffrance sur les visages, ça te donne les pulses, ça te donne, tu vois, l'adrénaline, la... c'est ça que le mot que je cherchais, c'est l'adrénaline, ça te donne de la force supplémentaire pour en remettre, pour faire péter tout le monde, voilà, la passion, c'est de faire broyer les jambes des autres, et là, c'est ce qu'ils ont fait, je peux vous dire, on a eu très, 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 très mal, ça n'arrête pas, on fait que des relances, ça relance à plus de 600, 700 watts, et ça ne veut jamais arrêter. Mais quelle idée ils ont eue! Ils veulent faire péter le peloton. Et d'ailleurs, le peloton a pété juste derrière moi. Quand je vous disais tout à l'heure, il fallait vraiment être très bien placé. Parce que tu peux te faire piéger à n'importe quel moment. Et ben, voilà pourquoi. Parce que j'étais bien placé. Et pourtant, ça a pété juste derrière. Incroyable quand même. Il, est, il, y a, il y a une partie du peloton qui va revenir. Mais je peux vous dire qu'il y en a qui ne nous reverront jamais. Et quand je vous disais tout à l'heure, il faut attendre la fin de la course, il faut attendre quand les coureurs seront fatigués pour attaquer et euh, mettre l'enclume au fond de l'océan, et bien c'est maintenant. Les coureurs sont fatigués euh, bah de l'effort très très intense euh, qu'on a eu euh, dans ce euh, grimpeur du Tour du Granité, le plus gros grimpeur de la Terre, frère. Et voilà. Là je me dis, il y a peut-être un coup à jouer, tout le monde est fatigué, c'est maintenant qu'il faut en remettre, c'est maintenant qu'il faut y aller, et je suis content parce que depuis le début de saison, j'arrête pas de vous dire, ouais, je ne suis pas en forme, j'ai été malade, machin, maintenant les watts ils sont là mon gars, et ouais gars, je suis capable d'en remettre après un effort aussi intense, après en avoir chié 5 minutes, et eh ben je suis capable de me porter vers l'avant dans cette échappée, et on va essayer de sortir, mais... Le peloton est tellement dense. La, la qualité des coureurs est tellement dense dans ce peloton que c'est très très difficile. Même après un effort aussi intense, quand tu réattaques, quand tu remets plein plein de boîtes, il y a toujours du monde pour ramener. Et surtout, moi, je faisais vraiment attention aux coureurs qui étaient dans les échappées que je prenais. Et si je ne voyais pas un gars de la Nester... Je mettais pas un coup de pédale, <laughs> c'était un truc de fou. De toute façon, si eux ils étaient pas là, ils allaient rouler derrière, c'est sûr. Avec un gros collectif comme ils avaient, ils avaient moyen d'aller chercher beaucoup de maillots. On arrive dans un autre point clé du circuit, kilomètre 77, un nouveau grimpeur. Euh, un peu moins long et pentu que le dernier, mais j'ai envie d'aller faire les points du grimpeur. C'est ce que j'avais dit aux collègues avant de, de prendre le départ de cette course c'est que je voulais faire euh, les grimpeurs, essayer d'aller récupérer des points et aller chercher ce maillot. Et là, je suis très bien placé. Je suis dans les, les 6-7 premiers coureurs du peloton. Je suis bien placé. On va voir ce que ça va donner, mais vous allez voir qu'il y a des coureurs très très fort en boss ils vont nous dépasser comme si de rien n'était moi je suis à bloc pourtant mais vous allez voir sur la gauche il y a des coureurs qui vont remonter comme si on était sur du plat et que personne n'avançait regardez le coureur de la Nester là qui, qui vient faire le jump il va remonter euh, très fort on, il nous reste quelques mètres avant d'arriver en haut de ce grimpeur voilà il n'était pas très long vous avez pu voir pas trop trop long c'est fait vraiment en injection à bloc là tout le monde est, est à l'agonie et quand je vois que je me fais enfermer, et en plus que je vois que les mecs qui remontent, ils, sont, ils ont l'air beaucoup plus faciles, je suis incapable d'accélérer. Je me dis, ok, je vais tamponner un peu la fin de ce grimpeur, ça sert à rien. Faut pas être con non plus. Je vais euh, gentiment me laisser glisser dans les roues. Je reste là tranquille. Là, les watts ont bien baissé. Je suis content. Par contre, il y a des attaques en tête de peloton. Et là, il y a Georges sur la gauche qui vient de, de me dépasser. Georges qui a pour objectif d'aller chercher euh, le général de ce tour de granité comme Maxime dans notre équipe. Donc voilà, là il a le coureur de Valette, Jordan qui euh, accélère fortement pour revenir, il y a des coureurs qui, qui essayent de s'extirper, un peu comme dans le grimpeur précédent, les mecs ils ne veulent jamais arrêter. Genre le grimpeur est fini, on devrait se reposer les gars. Et non, tout le monde renvoie du bois, tout le monde se remet à la planche, tout le monde met poignée dans l'angle et ça repart pour euh, 5 minutes de puissance maximum, on est tous à bloc. Et là euh, on est en tête du peloton mais il y a quelques coureurs qui sont partis, il faut pas les laisser partir surtout que Georges et Maxime ils visent le classement général donc je vais faire le taf pour essayer de revenir sur les coureurs qui viennent de s'extirper. On va avoir de l'aide euh, de pas mal de personnes du peloton et ça ça fait plaisir parce que euh, bah, on va revenir très rapidement sur les échappés et comme ça le classement général de mes coéquipiers qui le visent, ils sont bien là, Georges est bien en tête du peloton, impeccable, il est en forme, il est en canne donc euh, on est bien pour l'instant. On arrive sur ce circuit final. Peloton euh, groupé. On a beaucoup d'énergie en moins. Comme un bon nombre de, des membres de ce peloton au départ de cette course, on est en peloton euh, réduit. Beaucoup d'unités manquent à l'appel. Et la foule est en délire sur ce circuit final. Euh, et donc là, nous, l'objectif, ça va être d'essayer d'aller prendre une échappée qui pourrait éventuellement se distinguer dans ce final d'étape. Tout le monde est usé par toutes les difficultés, par la vitesse de la course. Donc on va essayer de jouer aussi avec nos capacités parce qu'on est plus baroudeur que sprinter dans l'équipe. Donc on va essayer de jouer avec nos cartes et essayer de, de prendre la bonne. On est à 5 km de l'arrivée. Je suis très bien placé en tête de ce peloton. Il y a Maximum à droite. Donc lui, Jules Général, comme vous avez pu l'entendre un peu plus tôt dans la vidéo. Et là il y a une grosse attaque sur la gauche, je décide d'y aller. Je fais le jump, je suis les coups pour éviter de me faire piéger une deuxième fois parce qu'il y a six coureurs devant. Ils sont juste devant, ils sont vraiment pas loin euh, de nous, ils sont euh, vraiment à portée de fusil. On va essayer de revenir dessus, il reste que 5 km, c'est le dernier tour en fait de ce circuit final. Devant moi, il y a le coureur qui a gagné à la Bouexière, il s'est fait piéger, donc il est en train de rouler en tête de peloton, de prendre les coups un peu. Tout le monde n'a plus envie de se faire piéger et prend tous les coups. Mais si il euh, bah, y a des attaques dans ce peloton, ça veut dire que ça roule pas assez vite. Et si le peloton roule pas assez vite, ça veut dire qu'on ne reviendra pas sur l'échappée de devant. Et je décide d'attaquer pour relancer l'allure, pour essayer de relancer une dynamique. J'ai de toute façon j'ai tout le monde sur le porte-bagages à ce moment-là. Je vais essayer de, de me faire relayer par d'autres coureurs. Et là, ces coureurs, euh, là, il y a Vitré, Lanester, tous ces coureurs là. Euh, ils sont bien euh, en tête de peloton à revenir, à relancer l'allure également. Donc moi je me fais un petit peu décrocher. De toute façon c'est en file indienne. Il faut que j'arrive à raccrocher un wagon à un moment donné. Mais en tout cas on est en file indienne. Donc au niveau de ma position je suis bien. Je pourrais remonter assez facilement. Là, de toute façon, sur des petites routes comme ça, quand tu as des accélérations, le peloton s'étire et finalement, c'est une longue file indienne et pour remonter, bah, ça roule vite, donc euh, du coup, c'est difficile de remonter. Mais au moins, tu as la place, il n'y a pas de risque euh, forcément de chute, à moins que les mecs soient un peu moins lucides et du coup, ils font des écarts et toi, tu te prends sa roue arrière avec ta roue avant. Mais voilà, en général, ça se passe plutôt bien. Là, le fait que ça se relance, ça veut dire que ça va relancer la dynamique, ça va relancer ce peloton pour aller chercher ces 6 coureurs. Qui sont partis sur la fin de course. Les six coureurs ont une centaine de mètres d'avance sur nous, quelques dizaines de secondes d'avance. Je suis très très bien placé en tête de ce peloton. On va arriver dans le petit tape-cul euh, avant l'arrivée. Et là, j'ai euh, Maxime dans la roue. Il m'a dit qu'il était bien. Donc je me suis dit, je vais te lancer. Et là, je fais le jump dans cette bosse. Euh, on a un 4-5% là. Donc c'est une, une bosse qui fait très mal. Et le coureur de vitré, il me contre. Et Maxime, il va tout de suite. Et là, j'arrête les frais. Pour faire la cassure avec ces deux coureurs. Pour qu'ils viennent s'extirper du peloton et prendre une bonne place au général. Mais le peloton réagit encore. Le peloton a encore de l'énergie. Certains coureurs euh, arrivent. À maintenir l'attaque le, 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 du coureur de vitré qui a vraiment attaqué. Je peux vous dire, j'ai rien compris quand il est passé. Je me suis dit, franchement, il y a des coureurs comme ça. Ils ont un, un, un coup de rein. C'est impressionnant. Tu es à bloc et les mecs, ils arrivent encore à te mettre, euh, je sais pas, 10 km/h dans la vue. C'est juste incroyable. Là, j'arrive à basculer avec euh, les meilleurs de ce peloton. Et on va arriver dans le dernier virage. Et là, euh, les six coureurs sont arrivés. Et le coureur de vitré. Intercalé et nous on arrive pour le sprint final. Je suis un peu ratiboisé parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans cette course. Sur la fin, là, j'ai fait le petit jump dans la bosse et on arrive enfin. Voilà. Après, euh, j'ai plus presque quatre heures d'épreuve avec les 1 h euh, et demie d'arrêt. Donc voilà. Maintenant, il faut récupérer. Il faut se remettre en forme pour demain contre la monte et étape en ligne l'après-midi de 103 km. Donc il y a encore beaucoup de kilomètres à parcourir. Il faut vraiment axer son temps sur la récupération maintenant. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu cette première partie. C'est parti pour euh, le deuxième jour. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. C'est parti pour ce contrôle à montre de 7 km. Je pars full blast comme à chaque fois. Et d'ailleurs, on en a reparlé au début de la course avec Maxime. Un contrôle à montre, il faut partir à bloc. Surtout un, un contrôle à montre de 7 km. Tu ne peux pas te mettre dans un faux rythme. Il faut vraiment partir euh, et te mettre dans le rythme directement. Là, on part en descente. Donc c'est un petit peu particulier. Mais en tout cas, je donne tout déjà dans la première descente. Et on va arriver sur un, un virage assez technique, assez renfermé. Une épingle carrément. On se croirait dans les Alpes. Mais non, on est dans le fin fond de la Bretagne. Et là, du coup, je relance. J'ai bien entamé cette descente, puisque j'ai perdu que 2 secondes sur le vainqueur euh, de ce contre-la-montre qui est Jason Jagat. Vous pourrez aller voir sa chaîne YouTube. C'est un ancien triathlète, il me semble, et il a mis son contre-la-montre en totalité sur YouTube. Et il vous donne des très bons conseils parce que moi je suis une chèvre. Donc si vous voulez progresser, c'est pas sur ma chaîne, mais sur la sienne. <laughs> donc voilà, vous allez voir tout ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas sur la mienne. C'est formateur. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez voir comment gagner un contre-la-montre, allez sur sa chaîne et vous aurez des très bons conseils. Après, en termes de puissance, je monte vraiment bien. Euh, je pense que je suis capable de maintenir 350 watts euh, assez longuement dans cette première côte. Donc voilà, le circuit, d'ailleurs les 7 premiers kilomètres, il y a une longue côte, enfin la première descente que vous avez vue, maintenant il y a la longue côte, après il y a un replat avec un peu euh, vallonné, ça monte, ça descend. Et après on a une longue descente, et enfin on a euh, une côte jusqu'à l'arrivée qui est en fait très difficile au début. Puis après c'est un long faux plat où on se tape vent de face, donc c'est assez compliqué. Donc là je donne tout. Je suis toujours dans, dans cette première côte, entre guillemets, et je roule. Je ne sais pas si vous aviez, saviez ça, mais sur les lignes blanches, on a un meilleur rendement. Donc là, c'est pour ça que je roule en plein milieu de la route. On est protégé, parce que là, le vent, il vient dans la gueule. Donc là, je suis protégé par les... Les, les arbres qui viennent d'en face, le talus et tout, on est plutôt bien protégé Par contre je fais un peu plus de distance, je pense j'aurais peut-être dû rester à gauche de la route Mais je, je m'applique à rester sur cette ligne blanche Et à un moment donné je vais partir à gauche parce que <laughs> bah ça fait trop de distance les gars J'ai fait 15 km de plus, c'est pas normal Je, je commençais à galérer, je commençais un peu à accuser le coup du début de la, la bosse Mais bon c'est comme ça les contre la montre, souvent t'as l'impression de buter mais en fait, ça veut dire c'est juste que tu es à ton plein potentiel. Et souvent, un contre-la-montre, il faut, faut le finir en se disant j'ai buté dedans Au moins ça veut dire que tu as tout donné. Euh, et que finalement, tu as, as fait ta meilleure performance possible. Et d'ailleurs, sur, euh, sur ce contre-la-montre, je vais faire ma deuxième meilleure performance sur 10 minutes. Donc ça veut dire que voilà, j'étais quand même plutôt pas mal à bloc. <laughs> On arrive dans le petit coup de cul après la descente. J'essaye de rester le plus aéro possible Mais c'est vrai que quand tu forces, c'est difficile de maintenir cette position qui est quand même assez contraignante. Et là, j'arrive dans ce petit taquet avec la vitesse en descente. J'arrive, mais je mets une relance de facochère là-dedans. Les watts, ils s'envolent. Et vous verrez sur la vidéo de Jason, si vous allez le voir, en fait lui, avec le vélo de contre la montre, il a 10 km/h de plus que moi dans la descente. Et il monte la... cette petite portion-là, mais avec carrément moins de watts que moi et pourtant il va plus vite que moi et en fait ça lui permet de lisser l'effort alors que moi bah du coup je suis obligé de mettre un gros coup de rein dans la bosse et ça entame encore mon capital santé donc euh, j'arrive en haut de ce petit taquet et je suis déjà bien entamé. Donc là on arrive à la moitié du contre la montre et là il y a encore une petite partie en faux plat descendant. J'ai 50 secondes de retard sur Jason Jagat le premier de ce contre la montre. J'essaye de tout donner, mais là c'est très dur de remettre du braquet. J'arrive pas à mettre de puissance, j'arrive pas à dépasser les 300 watts. Je manque clairement de puissance à ce moment-là. Et puis je commence à vraiment être dans, dans, dans le rouge, euh, le rouge carmin. <laughs> là, je suis vraiment, euh, vraiment mal. Et du coup, j'essaye un peu aussi. De récupérer avant la dernière difficulté de, de ce contre la -mente. et Parce que même si on a fait la moitié, même s'il reste que 2 ou 3 km, c'est très très long à cette intensité-là. Ça dure une éternité. Et là, je vais arriver dans le virage. On a l'impression que je vais tomber. <laughs> Mais non, je ne vais pas tomber. Et là, je suis arrivé où Où est-ce qu'il est passé, le bonhomme <laughs> Et non, c'est bon, j'ai réussi à passer le, le virage, il était, un, il était un peu technique. Et d'ailleurs, là, je pense qu'avec un vélo tradi, on était quand même avantagé par rapport au mec bah, qui avait des, des vélos de chrono, lenticulaires et tout. Là, c'était peut-être un peu plus compliqué. Donc là, on arrive dans la deuxième difficulté du circuit. Et en fait, ça va monter jusqu'à l'arrivée. Donc là, c'est la partie la plus difficile, la plus pentue. On est encore protégé du vent. Donc ça va. Et puis ça me va bien parce que c'est du... Voilà, on est à 7%. Ça ne va pas plus haut. Et ça correspond à mon gabarit. Ça correspond à ma capacité. Donc j'y vais à bloc. Là, on voit les watts. Ils arrivent à remonter. J'arrive à remettre de la puissance. J'arrive à, à vraiment sortir euh, le feu de Dieu de mes jambes. Et euh, mais c'est long, hein. je peux vous dire. Là, c'est long. En plus, cette route-là, elle ne rendait pas. J'essaye de relancer le plus possible. Même si, en fait, le, le, le mieux, ça serait de, de lisser le plus possible pendant toute l'épreuve, d'être le plus aéro possible et tout. En fait, c'est très difficile. Il y a des moments où tu es obligé de mettre plus de watts, d'autres moments où tu es obligé de baisser en watts et tu es obligé de te remettre en danseuse pour relancer l'allure. Parce qu'en fait, je perdais trop d'allure. Là, je suis à 21 km/h alors qu'il faudrait que je fasse à 25, 26 au moins. Dans cette partie là Mais j'ai pas la force, j'ai pas les watts Pour relancer autant que ça Là je peux vous dire c'est très très dur On arrive sur la fin Et en fait quand on tu pars sur un contre la monte comme ça bientôt, il y a moins d'un kilomètre à parcourir Et là on, on arrive dans une partie Où ça y est on a plus le vent de face On arrive sur une route qui rend beaucoup mieux On est sur la fin du contre la monte aussi Donc dans la tête ça va beaucoup mieux On donne les dernières euh, Les derniers petites onces D'énergie qui nous restent et je donne tout ce que j'ai Le coureur derrière moi Est pas loin de revenir sur moi Mais je vais maintenir <laughs> ma position Je vais pas me faire doubler Et je vais aller récupérer la ligne d'arrivée Mais pareil Qu'à euh, qu la Bouexière Je vais finir très très loin Dans le dernier quart de la course C'est vraiment pas un exercice facile pour moi Faudrait que je passe du temps à, à, à m'améliorer Mais c'est pas mon objectif Donc euh, je pense que je vais rester là où je suis On est reparti pour la course de l'après-midi, la dernière course du week-end, on est motivé, mais par contre le corps, lui, il est beaucoup moins. C'est très difficile de remettre en route après les deux étapes qu'on a déjà passées, très intenses. Après avoir pris deux minutes dans la vue ce matin, <laughs> mais bon, je suis à ma place. Je finis à la 122e position à la Bouexière, sur un contre-la-montre de 7 km aussi. J'avais fini 124e. Donc voilà, c'est pas en deux semaines que je vais progresser énormément. J'ai gagné deux places, mais bon, <laughs> ça ne veut pas dire grand-chose. On repart pour cette course de l'après-midi avec à cœur de bien faire. À aller essayer de faire une belle place sur cette étape du jour. Mais là, quand je vois les jambes, comment elles sont au départ, je me dis « Oh là lo, là, lo, 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 ça va être très long la mise en route. » J'avais très très mal aux jambes. Là, cette relance, ça m'a fait très 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 mal. Et euh, d'ailleurs, le peloton va exploser en mille morceaux dès le début de la course. Il y a beaucoup d'abandon sur cette étape de l'après-midi. Mais vous allez voir, ça va plutôt bien se passer pour moi. En ce qui concerne mes coéquipiers, euh, du coup, on n'a plus rien à jouer au général parce que les gars, ils ont pris belle lurette aussi euh, ce matin au contre-la-montre. Euh, Maxime a crevé malheureusement. Donc voilà, c'est très dommage. On est avec un esprit revanchard. L'objectif de cet après-midi, ça va être euh, bah, déjà de tenir. Vu les jambes au début, euh, là dans ma tête, j'étais vraiment dans le mal. Mais ça va être d'aller faire la meilleure place possible au scratch sur cette troisième étape du tour du granité. On est de retour dans des routes à lapin, des routes très étoites, un peloton encore bien groupé. On a encore une centaine d'unités dans ce peloton. On a des relances, on a des, des, des virages à droite, à gauche, etc. Ça fait très mal à tout le monde. Regardez, là on avait un, un pif paf et il y a des grosses relances à faire. Là on est sur, vous allez sûrement pas reconnaître, mais c'est le, le circuit du contre-la-montre du matin. Et donc on se retrouve dans le sens inverse cette fois-ci. Et là, il y a, y a, y a une, un gros faux plat. Et je me dis, il faut que j'évite les cassures, il faut que j'évite de me faire piéger. Donc il faut que je remonte à l'avant de ce peloton le plus vite possible. Ce n'est pas facile sur ces routes-là parce qu'elles sont étroites, donc il n'y a pas beaucoup de place. Et en plus, ça roule très très fort. Là, je suis à côté. Bah, du vainqueur de la Bouexière qui a aussi récupéré le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules. Donc il est vraiment très costaud. Je me dis que ça va. Je ne suis pas trop mal placé vu que lui, il est là. Et que c'est un top coureur de cette course. Je me dis, voilà, je ne suis pas trop mal placé. On va remonter gentiment. On ne s'affole pas. La course est encore longue. On va retrouver des, des routes qui sont larges. Euh, et je peux vous dire aussi que les chutes de la veille ont refroidi tout le peloton. Il n'y avait plus... Euh, beaucoup de monde qui frottait comme des cinglés euh, c les coureurs étaient plutôt sages, calmes et bien espacés dans ce peloton on arrive dans le premier grimpeur de la journée, une très grosse bosse, en fait on revient au point de départ euh, du jour et avec des routes euh, vraiment très très étroites un goudron qui rend pas du tout il y avait carrément de l'herbe au milieu de la route, on se serait cru dans un chemin, on fait un petit Paris-Roubaix <laughs> en Bretagne. Et là, ça fait très très mal. 8% de moyenne. Mais les jambes commençaient à revenir parce que dans ce grimpeur, je ne perds pas de position. Je reste là où je suis. Et je me sens pas trop mal. Je ne suis pas trop en train de forcer. Je tamponne un peu la, la fin de cette côte. Mais sans plus, je ne perds pas trop de position. Donc je suis vraiment bien. Je suis en tête de ce peloton dans les 20 premiers. Et là, il y a beaucoup de monde qui vont mettre le clignotant, puisqu'en fait, on revient là où les équipes étaient restées depuis le début de la course, et on passe ce premier euh, com de la journée euh, sans encombre, sans avoir trop entamé les jambes. Donc voilà, c'est de bonne augure, les jambes reviennent, les fluides ont commencé à circuler, donc ça fait plaisir. Bon, le cocotier a été secoué 5 minutes, <laughs> entre les petites routes, entre les côtes à répétition, euh, les grosses accélérations dans ce peloton ont fait du dégât, il y a quelques coureurs qui ont réussi à s'extirper du peloton, il y a une petite échappée de 7-8 coureurs avec Georges Baselet à l'avant, sauf que c'est ce que je croyais, donc quand Jordan, il me demande, vas-y, passe un relais, s'il te plaît, je lui dis non, j'ai un gars devant. <laughs> Sauf que j'avais personne devant. J'ai vraiment cru qu'il était à l'avant souvent. En plus, Georges, il aime bien partir en début d'épreuve. C'est un très bon coureur. Et comme je vois plus personne dans le peloton, je me dis, bon, bah Georges, il est à l'avant, il n'y a pas de souci, tu vois. Et j'étais vraiment persuadé. En fait, c'était un coureur de Sport Braze, hein, qui ont les maillots, en fait, qui ont la même couleur que nous. Cuissard noir. Et en plus, Georges avait un cuissard noir ce jour-là. Donc j'ai vraiment cru que c'était lui au loin. Et donc du coup, moi je joue l'équipe. Jusqu'au circuit final, les gars. Je vais jouer le jeu d'équipe jusqu'au circuit final. Quand je vais me rendre compte en fait que je suis tout seul de mon toit dans le peloton, je donne pas un coup de pédale. Alors là, j'ai jamais joué autant jeu d'équipe alors que j'ai personne devant. C'est la tristesse absolue. Jordan, il va me pourrir en commentaire. Désolé, mec. J'étais vraiment persuadé que j'avais un gars devant. Mais enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. Là, du coup, ça m'arrange <laughs> parce que je donne pas un coup de pédale. Et puis, bah, de toute façon. Les choses vont rentrer dans l'ordre assez rapidement. On arrive dans le deuxième grimpeur de la journée et c'est à ce moment-là que la course va se décanter. C'est à ce moment-là que la course va vraiment commencer. On tourne à droite, on arrive dans cette petite route qui rend pas le, le milieu. Il y a un petit peu d'herbe, donc du coup on glisse de la roue arrière. C'est vraiment pas facile de garder la motricité dans cette côte à, à plus de, de 20%. C'est vraiment compliqué, mais je me sens bien, je me sens en forme. Les fluides ont, ont tourné depuis le début de l'étape. Et du coup, j'ai des bien meilleures sensations qu'en qu début d'étape. Et je me sens vraiment fort, vraiment costaud. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne perds même pas de place à ce moment-là. Parce que je n'ai pas besoin de tamponner ou quoi cette côte. Je garde ma position. Et euh, bah, je, je force euh, comme je peux. Et euh, ça va très bien. Donc là, on est euh, en tête de peloton. On est dans les 15-20 premiers. Il y a toujours cette échappée euh, devant euh, qui doit être pas très très loin de nous, mais en fait il y a tellement de pif paf on les voit pas vraiment, on ne sait plus trop où on en est dans cette course, on ne sait plus trop qui y a devant et tout, donc n'est pas évident du tout à lire cette course. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que je ne vais pas lâcher cette avant de peloton et euh, on va rouler plein gaz, surtout que maintenant il euh, y a un enchaînement euh, de cols, enfin de, <laughs> de cols, pas encore euh, en, en Bretagne, mais de, de grimpeurs plutôt. Euh, et là, ça va faire très mal parce qu'en fait, tu n'as pas le temps de récupérer entre chaque grimpeur et ça, ça va mettre euh, bah, les corps à, à rude épreuve. Il y a, y a de l'endurance euh, à haute intensité qui va se faire là dans, dans les quelques kilomètres qui arrivent. Et euh, heureusement que ça y est, maintenant je suis en forme parce que il va, je, vais en, je vais avoir besoin de cette forme pour pouvoir suivre les meilleurs dans cette course. On arrive déjà dans le grimpeur suivant. Là, je suis extrêmement bien placé encore dans, dans les 20 premiers là ça commence à, à titiller les jambes on n'arrête pas de faire des petites routes plein de relances et tout on sait, ne on sait plus vraiment où sont les échappés je ne sais même pas s'il y en avait à ce moment là et là euh, je suis à côté euh, bah, du, du leader de la course Jason jagat avec son maillot jaune donc je me dis que je ne suis pas trop mal placé et là je pense que tous ceux qui ont fait la course ils vont se rappeler de ce moment parce que ce grimpeur c'était le moment le plus difficile de la course avec celui qui vient après, celui qui vient après aussi était très très difficile. C'était un moment clé de la course, c'était un moment très difficile et je crois que c'était le moment le plus difficile de toute la saison. Je vous ai passé une petite partie du com, mais on est toujours dedans. À bourriné, là l'avant du peloton s'échappe. Là, tous les coureurs de la Nester ils se retrouvent piégés, le coureur de Vitry aussi. Là, les mecs devant moi, ils essayent de faire le jump pour remonter. On est à 6% de moyenne. Là, ça fait quand même un petit moment qu'on grimpe. Les coureurs, c'est sauf qui peut là. Il y en a de partout. On revient quand même sur euh, le peloton, entre guillemets, parce qu'il reste plus grand monde à l'avant. Ils sont une dizaine de coureurs à s'être extirpés de ce peloton, ou au moins plutôt nous, on a explosé. Il y a eu des cassures, j'essaye de les reboucher. Là, il y a un mec qui fait salut, j'avais même pas fait gaffe pendant la course. J'étais trop dans le, dans le rouge pour voir quoi que ce soit. Je vois que la roue qui est devant moi. Euh, désolé les gars, je vois pas ce que vous me faites pendant la course. Tous les coucous et tout, je ne les vois pas du tout, je les vois que après. Pendant, je suis concentré. Mon objectif à court terme, c'est de suivre la roue qui est devant moi. Et là, c'est ce que je vais essayer de faire avec les coureurs de la Nester. Je me dis, eux, ils vont me ramener. Parce que eux, ils, ils ont le couteau entre les dents. C'est des très bons coureurs. Et je me dis, ok, si eux, ils se sont fait piéger aussi. C'est que bon, c'était quand même très difficile. Et euh, je vais leur passer un relais. On est là aussi pour s'entraider. On n'est pas là pour euh, se plonger. On a envie de revenir dans ce peloton pour boucher le trou. Mais là, je plafonne. Je demande un relais. Ça vient pas tout de suite. On perd un peu de temps. Mais là, j'essaye de relancer à la bascule. C'est très difficile. Le com est toujours pas fini. Là, d'ailleurs, il y, y a un petit replat, une petite descente. Mais ça va revenir. Et là, je demande le relais. J'en peux plus. <laughs> Les mecs qui veulent pas me passer de relais. Et là il euh, y a un coureur quand même qui vient me donner un petit peu d'aide, il envoie du bois, je me mets dans la roue pour récupérer un maximum, le peloton qui s'échappe, là il y a d'autres coureurs qui essayent de faire le jump, ils veulent pas nous aider ces enfoirés, ils essayent de faire le jump pour pas ramener des coureurs qu'ils considèrent dangereux, c'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est comme ça que ça se passe aussi, des fois on s'entraide pas, des fois il y en a ils t'attaquent, c'est comme ça. Et je vois que je ne suis pas tout seul, donc ça me rassure aussi, je ne suis pas tout seul à faire les efforts, je vais avoir du support pour revenir sur la tête de ce peloton. Et là je peux vous dire, derrière je ne regarde pas, mais il y a eu des dégâts incroyables, on fera le bilan en bas de la descente qui découlera du com, après le com il y aura une descente et après on fera le point, mais là pour l'instant... Je ne veux pas regarder derrière parce que quand tu n'es pas trop lucide comme ça, tu as vite fait de faire un écart. Il y a un mec devant qui fait un, qui fait un écart. Tu prends sa roue, tu tombes. Ça s'est vu et revu dans les courses de vélo. Donc euh, j'essaye de me concentrer sur ce qui se passe devant moi et pas derrière. On verra après. De toute façon, l'objectif, c'est de revenir sur le peloton à l'avant. Quand tu te retournes, c'est mauvais signe. Et là, je peux vous dire, on charbonne. Franchement, on charbonne fort, fort, fort. Enfin, en tout cas, il charbonne devant et moi je charbonne pour rester dans les roues. Et on va revenir sur euh, le, le petit groupe. Je ne sais pas si on peut appeler encore ça un peloton. Euh, je crois qu'un peloton, c'est à partir de 15 coureurs. Je ne suis même pas sûr que c'était un peloton. C'était quelques coureurs qui, qui s'étaient extirpés. Là, on est revenu dans le peloton. Et là, il faut que je me replace très très rapidement. Même si c'est difficile, même si tu as envie de récupérer, il faut tout de suite se replacer à l'avant du groupe pour ne pas se reprendre des cassures pas refaire des efforts inutiles, à peine remis de nos efforts, on attaque euh, le com. Je suis même pas sûr que c'était un grimper répertorié, mais c'était une bosse qui va faire très mal. Et là, je suis à l'avant du peloton puisque en fait le peloton, il n'y a plus personne dedans. Euh, c'est très facile de remonter maintenant. C'est pas comme au début de l'épreuve où tout le monde était là, tout le monde a frotté. Maintenant, on est tous là euh, en train de se faire la bagarre, mais euh, c'est beaucoup plus facile de remonter, de se placer. Il y a beaucoup plus d'espace entre les coureurs. Il y a moins euh, de chance de chuter donc ça c'est plutôt cool aussi c'est plutôt rassurant aussi euh, donc là maintenant il y a juste à tenir <laughs> juste entre guillemets parce que ça monte encore très très fort 6-7% on roule comme des gueudins 24 km heure c'est très très raide et en fait c'est l'enchaînement qui fait mal parce qu en soi c'est pas très compliqué c'est pas très dur 6% ça va en plus on a une belle route on est, on est au cœur du peloton là, à ce moment là donc on va dire que c'est gérable, mais c'est juste qu'en fait on n'a pas le temps de récupérer entre, et c'est ça qui a fait très très mal. Donc j'arrive à bien gérer cette côte. Je suis très surpris parce que juste avant j'étais quand même bien limite, j'étais dans le rouge, mais je pense qu'on était beaucoup dans le cas. Et là cette côte, on a beaucoup plus de mal à remettre euh, des dents de plus pour euh, refaire la même ascension qu'on a fait précédemment. Euh, c'est vraiment très compliqué pour nous euh, bah, de, de remettre autant d'intensité que précédemment. On est un peu plus loin dans l'ascension et là où on avait monté plutôt régulièrement dans la côte depuis le début, et bien là ça va changer de rythme. Ça va encore faire perdre des unités à ce peloton. Là il y a une attaque et je suis, j'ai encore les jambes, les jambes, je suis surpris de ma forme. Avec Romain on s'était dit le pic de forme il arrivera à Plugumlen mais finalement il est pas trop mal en cette course euh, du granité. J'arrive à suivre les meilleurs, j'arrive à, à suivre le rythme imposé. Par ce peloton là je galère on a vent de côté tout le monde est en train de souffrir le maillot jaune là je sais pas si vous l'avez vu sur la gauche mais il a déraillé à ce moment là au plus mauvais moment là je me dis oh là là on n'est pas près de le revoir le gazier euh, c'est dommage pour lui j'espère que ses coéquipiers vont pouvoir le ramener j'espère qu'il en a encore d'ailleurs parce que c'est pas gagné ça non plus et là on est en file indienne et sur cette portion là on, a, on vient de finir le com et on est dans une portion plate et j je me suis dit encore dans ma tête, attention, ça va encore rouler fort, 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 et pourtant j'étais super bien. J'arrivais à récupérer. Alors là, j'envoie des, des, des watts de facochère à ce moment-là, et pourtant j'arrive à récupérer. Je suis très, très bien. J'ai une bonne cadence et tout. Franchement, je suis vraiment bien et j'arrive à récupérer, à retrouver mon souffle à ce moment-là. On a encore perdu des unités. On fait que perdre des unités pour l'instant. C'est une course à l'écrémage. On est encore dans un grimpeur. En l'espace de 20 bornes, on a fait 4 grimpeurs. Là, je me suis dit, mais ils veulent nous faire quoi, l'organisation <laughs> Quel truc de fou Mais après, la course est faite par les coureurs. Ok, il y a le parcours qui fait que, bon, c'est difficile, ok. Mais si on montait tranquille, la course ne serait pas, au difficile, ne serait pas aussi difficile. Là, le truc, c'est que ce peloton, il y a vraiment des très bons coureurs qui font la course et qui durcissent cette course. C'est aussi un peu l'objectif. Euh, de ce début d'étape pour certaines équipes de durcir la course d'essayer bah, de faire perdre le maillot jaune à Jason Jegat et donc de durcir cette course ils savent pas s'ils grimpent bien et tout pour voir s'il y a une petite faiblesse euh, à aller exploiter mais en tout cas nous on souffre dans le peloton <laughs> Ça c'est clair et net, j'en peux plus. Et moi, j'ai pas fait le tour du granité les autres années, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas exactement est-ce qu'il va y en avoir encore beaucoup. J'ai juste mon petit sticker sur ma potence pour me dire les grimpeurs ils sont là, 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 là et là, mais il y en a qui sont pas répertoriés. J'ai l'impression que depuis le début de la course, on fait que grimper, descendre, grimper, descendre. Mais là, je commence vraiment à être dans le dur. Je tiens, je tiens le coup et l'entraînement. Avec Romain, qu'on a mis en place depuis le début de saison, les décisions qu'on a prises, l'adaptabilité qu'on a eue par rapport à toutes les maladies, etc., et les sensations que j'avais, bah, ça commence à payer. Parce que tu ne fais pas cette course si tu n'as pas un minimum d'entraînement. On a eu euh, une petite, à peine 10 km pour récupérer. Et euh, quand je vous disais tout à l'heure que j'étais broyé, machin et tout, j'étais à la limite. Et eh bien euh, le petit gazier là pendant la, pendant la course, il va attaquer avec le coureur de vitré qui est juste devant moi. Il faisait beaucoup beaucoup, beaucoup d'attaques, il était vraiment porté vers l'avant ce coureur. Et je l'ai déjà vu, c'est un très bon rouleur, donc c'est un, un très bon compagnon d'échappée je pense. Donc euh, j'avais pas choisi cette roue par hasard. Et là il y a le, la moto sur la droite qui indique les, les écarts avec l'avant. Je crois qu'on a 30 ou 45 secondes de retard sur les échappées devant, mais je crois qu'ils sont que deux et ils vont faire un bon bout de chemin ensemble, franchement très impressionnant les, les deux coureurs, dont le coureur de Planquette qui avait fini deuxième à Plumlec, on le revoit encore ce coureur, donc là les coureurs juste devant moi, ils prennent des gros gros relais, le coureur qui est tout devant là, il a fait deuxième je crois au chrono ce matin, c'est vraiment un très très gros rouleur, mais là je me retourne et il y a le peloton qui est revenu dans nos roues, donc voilà, on va se remettre au chaud dans le peloton. Ce n'est pas le bon moment pour sortir, je l'ai bien vu. Le peloton réagit, euh, ça ne veut pas laisser sortir. Donc il faudra essayer plus tard. Je me retrouve euh, dans ce peloton et là, le maillot jaune euh, a fait rouler un coéquipier à lui. Euh, pour revenir sur les échappés devant, il y a un risque qui est faible, mais il préfère faire rouler euh, les coureurs euh, de son équipe pour revenir sur les, les échappés. Il euh, y, y a des bons coureurs à l'avant et qui peuvent euh, éventuellement lui prendre le maillot jaune. Donc il fait rouler. Et donc moi je me mets euh, derrière. Il n'y a pas de raison que je roule. Je suis tout seul de mon club. De toute façon, je ne sais pas à moi d'aller rouler. Et là, je vais à côté d'un coureur de la On va discuter un peu parce que euh, là on est chill, tranquille. Dans les roues, franchement, c'était vraiment bien cette partie. Ça permettait vraiment de récupérer. Ça faisait vraiment plaisir après ce début de course qui était juste euh, l'enfer. Euh, je parle un peu avec lui. Et euh, je lui demande, du coup les gars, euh, vous, vous y allez pas parce qu'ils avaient personne devant. Et il me dit, nous on ne fait rien jusqu'au circuit final. Donc du coup, je vais me baser sur cette stratégie-là aussi. Je vais attendre que les coureurs de y bougent pour pouvoir bouger également. Là on arrive bientôt sur le circuit final. Et je reconnais la route puisque c'est le circuit final de la veille. Euh, et là, on va, on va voir un moment un peu, euh, <laughs> un peu bizarre de la course. Là, il y a une pancarte sur la droite qui va indiquer d'aller à droite. Et c'est le circuit final de la veille. Regardez, la pancarte à droite, elle est là. Donc, du coup, je vois un coureur qui va à droite. Moi, je vais à droite aussi. Mais tout le monde continue à gauche. Du coup, j'hésite. Je me prends l'îlot pour finir. Et du coup, je fais tout le tour de l'îlot. Et je repars en toute dernière position du peloton. Et là, du coup, je me dis merde, mais quel con et je pensais en fait que c'était le la même circuit final que la veille. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu tourner à droite. Et quand je voyais que tout le monde allait tout droit, je me suis dit Putain, il y a quand même la pancarte. Je vais quand même aller à droite. Et je me suis dit Si tu veux gagner, il faudra faire des choses différentes des autres. <laughs> tu vois, un peu le, les trucs de motivation sur Instagram ou trucs comme ça, ça m'est rentré dans la tête. Et je me suis dit Je vais faire différemment des autres. Et ça va peut-être me mener jusqu'à la victoire. <laughs> ah, la connerie, pas possible. Faut pas écouter Instagram, c'est des conneries, c'est des bullshit. Là la démocratie a gagné puisque tout le peloton avait pris le bon, la bonne route, on était deux pelots ça s'est trompé. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, c'était pas trop grave, je reviens dans le peloton, il est grand temps pour moi de manger, boire, parce qu'après un week-end comme ça, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, de flotte et tout. Donc il faut vraiment être bien alimenté bien manger surtout après les épreuves que j'ai faites précédemment où j'ai eu des petits problèmes de fringale, on va dire, il serait pas euh, l'heure de refaire une fringale sur cette épreuve alors que j'ai enduré tant 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 de problèmes <laughs> au début de l'épreuve à tenir les roues d'avoir tenu, au moins, voilà, je suis sûr que je vais finir la, la course, de bien m'alimenter, bien récupérer dans ce peloton, et c'est à ce moment aussi précis que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus personne dans le peloton, parce qu'en fait, je me retrouve à l'arrière du peloton, et il n'y a plus personne, on n'est plus que 40 pélos dans ce peloton, et là, tu dis, ah ouais, quand même, il y a eu des dégâts, mon copain on arrive sur le circuit final, on arrive dans le final de ce week-end, le final de cette étape, le final de ce documentaire animalier. Parce qu'on est des animaux les gars, vous êtes en train de regarder un, un documentaire sur nature et découverte. Franchement, c'était un grand grand week-end, c'est l'une des vidéos les plus longues que j'ai faites de ma chaîne. Mais je voulais vous faire un week-end entier, je voulais pas vous faire poireter une semaine pour voir la dernière étape. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous mettre tout le week-end. Comme ça, vous avez tout. Vous vous installez tranquille devant l'homme-traîneur ou je sais pas, tranquille devant la téloche ou votre téléphone à votre pause du midi ou quoi que ce soit. Et vous appréciez tout, l'intégralité de ce week-end. Et donc, je me retrouve dans ce peloton. Et là, euh, bah, les équipes commencent à faire le taf pour revenir sur les deux coureurs euh, intercalés. Enfin, qui sont plutôt à l'avant. De cette course, deux coureurs seulement contre tout le peloton Franchement, ils font un très 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 gros numéro Et nous on est à l'arrière, moi je reste bien placé, je suis toujours dans mon optique, les grosses équipes doivent faire le taf, moi je saisis les opportunités si ça va vers l'avant Mais là ça roule très fort Pour revenir, ça roule, c'est des routes qui... Bah, qui, qui rendent bien, qui sont très larges, qui sont plutôt plates. Donc il n'y a pas trop moyen de partir en échappée. C'est assez compliqué. Donc moi, ça va être encore l'objectif bah, de ne pas trop en faire quand ça roule fort. Et si je vois des opportunités, j'y vais. On a une trentaine de secondes de retard à peine. Et là, ça y est, Lanester se met à la planche. Ils se mettent à bûcher devant le peloton. Ça roule fort. C'est un coureur qui est très très bon devant. Euh, qui peut faire des places lui-même, mais il sacrifie pour ses coéquipiers qui sont bien placés au général, qui ont le maillot du meilleur grimpeur. Franchement, ils ont récupéré pas mal de maillots et ils vont essayer de durcir la course aussi pour décrocher ce maillot jaune qui est quand même bien accroché aux épaules de Jason Jagat qui était vraiment très très costaud, franchement les gars, c'est un très bon. Euh, Je voudrais pas lui mettre la pancarte quand même pour les prochaines courses, mais bon, il a commencé en access et <laughs> il fait des top 10 en élite. Euh, au fil de la saison, donc euh, c'est vraiment un très très costaud, je peux vous assurer. Si vous le voyez sur les courses, c'est une roue à prendre. Euh, si vous vous retrouvez en échappé avec lui, à mon avis, ça sent bon, les gars. Bon, j'avais peur d'avoir une fringale. Finalement, c'est la caméra qui va faire une fringale parce que je vais pas avoir euh, la toute fin de course. Après, il s'est pas passé grand chose là sur ces routes là. Ça roulait fort, il euh, y avait quelques attaques de temps en temps, mais ça roulait très très fort en file indienne. La plupart du temps, et euh, ce qui s'est passé dans le dernier tour, on avait 103 km aujourd'hui, donc là il reste quand même un peu de kilomètres avant l'arrivée, mais en tout cas, il y avait, ça roulait très très fort. Et dans le dernier tour, Jason Jegat s'est mis à l'avant de ce peloton et a roulé. Je peux vous dire, les gars, <laughs> il nous a montré ce qu'il a fait sur le chrono du matin, et je peux vous dire qu'on était tous en file indienne. Il s'est dit, je vais broyer tout le monde avant la fin, une petite dernière fois quand même avant le week-end pour se faire la bise avant de se quitter. Et je peux vous dire que ça a fait très, très, très mal. Et on est revenu juste derrière les deux coureurs qui étaient à l'avant de la course. Imaginez, il a récupéré une vingtaine de secondes sur les deux coureurs à l'avant, rien qu'à lui tout seul. Franchement, <laughs> c'était juste impressionnant. Nous, on n'avait plus qu'à suivre derrière. Notre objectif à court terme, c'était de suivre la roue juste devant. Et moi, sur la fin, j'étais vraiment. Euh, Vraiment en train d'essayer de frotter et tout, mais, mais dans ma tête c'est plus pareil. Euh, J'arrive plus à frotter comme avant. Maintenant je suis papa, c'est quand même plus compliqué. On, on essaye mentalement de, de débrancher le cerveau comme on dit, mais c'est très très difficile. C'est en nous, il y a, y a ce petit truc qui t'empêche vraiment de de passer alors qu'en fait t'as pas vraiment la place, tu vois, de, de faire des, des, des manœuvres un petit peu risquées, euh, plus risquées que d'habitude. Le, le but, c'est pas de faire tomber tout le monde, mais je veux dire que dans un sprint, quand tu frottes, tu prends des risques. Donc là, j'avais vraiment du mal à prendre ces risques-là. On était dans la descente, et y avait, ça, ça frottait quand même pas mal, et du coup, j'ai pas réussi à bien me placer. Et du coup au dernier virage j'étais un peu loin, j'ai maintenu ma position, mais j'ai pas réussi à faire un top 15 ou un top 10 comme j'aurais pu l'espérer faire sur cette très très belle course d'un très très bon niveau. Du coup voilà. Je vous dis au revoir maintenant, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fini dans les 30. Euh, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et puis ben, on se dit à la prochaine. Allez, salut